L'ordinateur de bord ou roadpad de votre Renault Trucks T permet via son écran de gérer intuitivement toutes les connexions liées à votre téléphone et à Internet. Veillez à faire tous vos réglages à l'arrêt. Vous pouvez connecter votre téléphone au roadpad via le Bluetooth pour réceptionner vos appels et messages entrants. Restez tout de même attentif à la route. Commencez par vous assurer que le Bluetooth est bien activé sur le téléphone que vous souhaitez appairer. Puis, ajoutez votre téléphone à la liste des équipements appairés. Pour cela, sélectionnez le menu Téléphone. Sélectionnez l'icône Plus. Si besoin, activez le Bluetooth. Sélectionnez le Scan. Lorsque votre équipement apparaît dans la liste, sélectionnez-le. Enfin, appuyez sur Connecter. Le Bluetooth est accessible si votre téléphone est à moins de 10 mètres de votre véhicule. Pro, perso, il est possible de connecter et réceptionner en même temps les appels et messages de vos deux numéros de téléphone et de mémoriser jusqu'à 10 appareils différents. Si jamais la connexion Bluetooth n'est pas stable, éteignez puis rallumez votre téléphone pour réessayer. Vous disposez de plusieurs options pour vous connecter à Internet. Il est possible de se connecter via Wi-Fi, Bluetooth ou avec une clé 3G ou 4G. Les réseaux Wi-Fi accessibles sont affichés dans ce menu. Activez le Wi-Fi si besoin. Sélectionnez le réseau auquel vous voulez vous connecter, puis saisissez le mot de passe s'il est demandé. Si le réseau sur lequel vous souhaitez vous connecter est caché, sélectionnez « Ajouter réseau Wi-Fi ». Vous pourrez alors rentrer manuellement votre configuration réseau. Lors de votre prochain trajet, le système se reconnectera automatiquement au Wi-Fi que vous avez déjà utilisé. Dans le menu « Mobile Data Network », vous pouvez vous connecter à Internet via un modem connecté par USB ou une clé 3G ou 4G. Une prise USB est en effet disponible sur le tableau de bord. Vous pouvez régler dans ce menu les paramètres de données dans la clé 3G ou 4G si la carte SIM n'a pas de réglage programmé. Dans ce menu, vous pouvez activer la connexion au réseau Internet de votre téléphone via le Bluetooth. Pour cela, assurez-vous que le partage de connexion et le Bluetooth sont bien actifs sur votre téléphone. Si plusieurs types de connexions sont actives, l'utilisation par défaut sera priorisée dans l'ordre suivant. Wi-Fi, clé 3G-4G dans la prise USB, téléphone périphérique jumelé par Bluetooth. Si vous disposez de plusieurs connexions et que vous souhaitez par exemple utiliser une connexion Bluetooth, vous devez désactiver le Wi-Fi. Le système peut créer son propre réseau ou hotspot Wi-Fi. Cette option vous offre la possibilité de connecter d'autres périphériques via le Wi-Fi afin de partager votre connexion Internet. Par exemple, depuis une clé 3G-4G ou un périphérique Bluetooth. Pour créer un réseau, il faut entrer certaines propriétés. Le nom du réseau, SSID, le niveau de sécurité, le mot de passe, au moins 8 caractères. Ensuite, cochez la case « Point d'accès Wi-Fi ». D'autres périphériques peuvent maintenant se connecter au système et partager la connexion au réseau. Bonne route! Startline, les clés d'un départ gagnant.